Depuis votre application mobile, vous pouvez effectuer un virement classique, instantané, permanent ou différé. Pour cela, connectez-vous et sélectionnez « Virement » dans la barre de navigation horizontale. Avant de choisir le mode de virement, saisissez le montant que vous souhaitez transférer. Sélectionnez le compte à débiter, puis le compte à créditer. Cliquez sur « Mes comptes » pour effectuer un virement vers l'un de vos comptes détenus au sein de la Banque Populaire. « Compte tierce » pour réaliser un virement à l'un de vos bénéficiaires préalablement enregistrés. Par défaut, le virement classique est positionné dans « Type de virement ». Vous pouvez le modifier en sélectionnant « Différé » ou « Permanent ». Vous avez également la possibilité de personnaliser le motif et la référence de votre virement. Cliquez ensuite sur « Continuer le virement ». Si les conditions le permettent, le virement SEPA instantané est proposé, mais sans obligation de le retenir. Vous êtes libre de le sélectionner en cliquant sur « Choisir la rapidité » ou bien de faire un virement classique. Lors de la confirmation, si des frais s'appliquent, ils sont indiqués dans la catégorie « Tarification ». Pour vérifier votre identité et valider votre opération, vous êtes invité à saisir votre code SecurePass. Vous pouvez également vous authentifier via la reconnaissance faciale ou digitale de votre smartphone. Si vous n'avez pas activé SecurePass, vous recevrez un code à usage unique par SMS. Votre virement est pris en compte. Le virement est instantanément effectué et le bénéficiaire disposera de l'argent sur son compte bancaire sous un délai de 10 secondes. Vous recevez ensuite une notification sur votre téléphone qui vous indique que votre virement a bien été effectué.